Salut mes riders, on est sur MXS Rank, de toute façon d'habitude avec MX Simulator, ça va bientôt restart. On est très bien classé vu qu'on a 1918 je crois de Elo, on est 7ème du général, l'objectif est de chercher le top 5 et conserver au minimum ce top 10 dans le pire des cas. Pour la fin de saison il reste 18 jours, donc c'est ultra le stress et c'est maintenant que tout se joue, du coup let's go. Ouh, on commence direct avec le piste de 6. Attention les gens, on va peut-être aller chercher le top 5 direct, hein. Peut-être on va aller chercher le top 5 direct. On va serrer l'inter. Parfait, ça c'est du bon départ. Parfait, voilà, on part premier. Où c'est tendu ce saut là? Je suis mis un peu mal dans le virage. Parfait. Elle est pas très complexe, donc si tu te rates dès le début, pour remonter, c'est un peu la mort. Je peux se le dire, donc on va essayer de prendre le rythme direct. Voilà, ça passe easy. Oh, je me mets court. Non, ça passe. Tout juste, mais c'est passé. Ouh, 58, on est bon rythme là. Cette récepte était un peu juste, on est d'accord. On va déjà remonter sur les lapeurs. Pour vous dire à quel point on est revenu vite. Dès le tour 3 dans les lapeurs. Bon, par contre, on va faire beaucoup de tours, hein, donc ça va être un peu chiant. C'est un track assez rapide, donc on fait 7 ou 8 tours, je crois. Donc, autant vous dire qu'on en enchaîne des tours. Perso, moi je préfère prendre l'inter là. Oula, c'est court ça. Non, ça enchaîne. Ça passe. Il lâche pas derrière, hein. Ah, on n'arrive plus à passer là. Je perds pas mal de temps. Je fais pas l'enchaînement. Merci. Allez, encore deux tours. Peut-être même 3. Oh, c'est bon, il est tombé derrière. Du coup, on a pris un peu de large, 9 secondes. Va-t-on faire la course parfaite, hein. Pour le moment, on est bien parti pour. Non, je perds les pieds, dommage! Va-t-on faire la course parfaite? Il va être à mon cul là, oui, une seconde, deux. C'est bon, j'ai l'enchaînement au moins. Il ne veut pas me rattraper là. Attention, les deux lapeurs devant là. Je passe ici, nice. C'est kiff-kiff, hein, on voit, coucou la trace. J'ai juste pas le droit de me rater maintenant. Mais non! Je me mets toujours plus loin, quoi. Quand je vous dis qu'il faut que j'aille limite, faut que je fasse quad, quoi. T'es mort à doubler le dernier tour, quoi. Juste au cul. En plus c'était Alban, on aurait marqué trop de points si on avait gagné. Ah dommage. Et oui, c'est passé au Pena. C'est passé au Pena, il a pris 4 secondes de Pena, du coup on gagne la course. Nice. On va prendre masse points. Masse points, clairement, parce que c'est le premier. Alban du bois, c'est le premier. On a pris moins un point, ça va. Ça va, on a quoi du pire? Quoi non? Oui. Ça a split, on est contre les meilleurs. Bien sûr, c'est le meilleur. Non!
toujours dans la poisse au départ sur MXS1. Faudrait que je prenne le setup de Kevin pour faire le shot. Genre un peu moins la poisse en faisant le shot. Ah, je saute dessus. Non, je suis chaud. Ok, mais je l'ai évité tout juste. Là, je sais jamais où prendre là. Je crois que c'est un truc comme dans le genre. C'est pas le tournier. J'essaie de prendre plus vite mes ornières, mais c'est pas évident. Même si je sais qu'on peut les prendre vite dans, sur ce track. Elles sont vraiment belles. Et j'ai vraiment peur de sortir de le. Que l'avant sorte, quoi. On va pas faire le trip, je pense pas qu'il fasse. Ouais, pas faux. Les trois sont éclatés là. Pas le faire. Eh, on n'avait pas monté P3, on est bien remonté. Hein. Si on gardait cette place. Consistance. C'est lui où je vous dis que c'était un peu un hybride MXS6. Oula, P2. Ah, ça va être court, ça va être court, MXY. Ça passe quand même. Ça passe quand même. C'était chaud. C'est ça aussi qu'on prend l'ornière milieu, c'est il suffit. Tu te rates un peu à ta sortie, ça passe pas du tout quoi. Belle bataille. Et on prend la lead. On prend la lead là-dessus ou pas? Oui, on prend la lead. On va essayer de la garder. Il y a la pression derrière là. Ça pousse, ça pousse, ça pousse. Je vais fermer un maximum mes portes. Hein. C'est pas ça. Non, ça se rate. Trop sur l'arrière. Ah, il y en a deux qui passent, que trois qui passent. Ça, c'était vraiment un cul. Hein. C'était vraiment juste derrière. J'ai eu trois places dans un virage. Abusé. C'est vrai qu'il faudra que je roule plus souvent pour m'entraîner pour les virages. Que là, on peut vraiment rentrer vite dedans. Non! Dommage, j'ai voulu rentrer trop vite dedans. Ah. On va essayer de pas arriver trop vite dans le virage au bout là. Le problème c'est que cette piste elle glisse beaucoup. Donc quand t'es pas dans l'appui, c'est chaud de prendre des beaux virages. Allez, on va se rebattre pour la quatrième place là, pour le dernier tour. Changer un peu les traces, hein. On va aller juste derrière lui. Merci à toi, Faiko, pour le follow, merci beaucoup. Welcome à toi. Adepte de la trace du milieu aussi. Moi j'arrive pas à chaque fois je me mets le court quoi. Abusé. Ah c'est l'arrivée, ok, je pensais que c'était juste là à l'arrivée mais non. Et une 48, oh le premier roulant, une 43. Autant vous dire que j'aurais pas tenu, j'aurais clairement pas tenu. On a pris moins 1, à chaque fois on prend moins 1. Bon, c'est pas grave moins 1, mais on va bien prendre des points un peu.
chercher l'appui en haut. Ouah, ce premier virage. Digne des meilleurs. Allez, on part sur le quad. Wop. Ça passe. J'ai bien fait d'aller prendre le deuxième appui. Hein. Ça a clairement payé. Bon, maintenant je vais me faire déposer parce que dans le sable je suis pas rapide. J'ai failli me prendre un coup de raquette là. Ah, dommage, l'arrière qui sort. Du coup, le triple qui ne passera pas, je pense pas le quadruple. Bon, mais je passe même pas le triple, ok. Oh non, je vais vous le prendre trop vite. Alors, essayez de reprendre au moins la troisième place. Ah, puis là, ça passe nickel. Oula. C'est empilé. Bon, oh, non. Oui. Attention aux coups droits arrière qui peuvent vous revenir là. Ça peut faire mal. Allez, si on fait 3ème, on prend des points, c'est sûr. Donc on va essayer de garder la 3ème place. Hein. Reste quoi? Encore un tour, je pense. J'ai pris, je prends bien le virage là. Non, je prends de l'avant. Ah, dommage, j'ai freiné un peu tard. J'ai voulu repousser le freinage et bah, dommage. Ah, on faisait une belle bataille, hein, c'était propre. Wap. Et c'est qui du coup qui fait 2? Jimmy. En tout cas, très bon form live. J'espère que sur YouTube vous avez kiffé cette vidéo. Il y a eu du très très gros niveau, on a vraiment bien joué. Donc, si c'est le cas et que vous avez vraiment kiffé, vous voulez vraiment me soutenir, n'hésitez pas à mettre le gros pouce bleu. On va voir combien de points on a marqué, on va restart. Et bah moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine sur MXS Rank. Maintenant on a pris plus de 16 points et on reste 7ème mondial 1947 de Hello. Il nous manque 30 points pour être dans le top 5. Bah Jimmy Leclerc a joué aussi. Donc c'est cool, par contre on est à ça du top 6. On est vraiment bien. Donc j'espère vraiment que cet épisode vous aura kiffé. Rendez-vous très vite pour la suite. C'était MXWay. Ride in peace.